peut se couper d'autre chose. Aujourd'hui aux Insolences, Bell Canada. C'est quelque chose de nouveau. Des changements de numéro continuels avec le public. Bon, on va changer votre numéro là, pour 526-1116 qui est votre nouveau numéro. Pourquoi? Ben comment pourquoi? C'est parce qu'on change des numéros comme ça, là. Ça va être 732. Allô? Oui, oh, oui, je suis là. 732. Ça va être 4362636. 4362636. Tout le monde. Jusqu'à quand, là, que j'ai mon même numéro? Ah, ça peut être changé après-midi, je sais pas la direction, parce que moi, j'ai été en vacances depuis une semaine, c'était tout du stock qu'il y avait sur mon bureau, ça. C'est plein de plaintes à part de ça. Moi, je vais pas recevoir rien de ça, là. Sûrement, vous allez m'entendre parler, parce que je suis pas intéressé pas en tout à changer. Ben, appelez tout de suite, là. Je vous donne votre nouveau numéro, en tout cas, celui qui est écrit ici, là. Moi, j'ai jamais eu de mauvais numéro, rien de ça. Mais c'est pas ça, madame, c'est une nouvelle politique de changer des numéros. Criez pas après moi, appelez à 845-42. Après vous, là, c'est parce que simplement, moi, j'étais satisfait, j'ai toujours eu le numéro de téléphone depuis 20 ans passé. Ouais, ben, je voudrais pas que vous criez après moi, moi, je fais juste une job. OK. Merci. Bonjour. Oui, allô? Monsieur Brodeur m'a dit de vous donner un nouveau numéro. Moi? Bon, c'est 236-7496. Ça va être définitif, là. 236-7496. 4, 9, 6. Bon, êtes-vous satisfaite, celui-là, là? Voilà ça, madame, aussi. Le gars qu'on voulait changer, là, il voulait avoir l'autre numéro, là, il peut... Celui qu'on vous a donné tout à l'heure, là, il a fait des plaintes, puis on n'est pas capable de vous le donner, celui-là. Ah, ben, moi, en tout cas, j'essayais de téléphoner, là. Département des plaintes, Bell Canada. Je veux pas changer mon numéro pantoute, là. Ouais. Quoi, je suis satisfait de mon numéro, puis y a pas personne qui me dérange ici. Je voulais que je sois honnête, je vous dise pourquoi. Oui. Non, c'est parce que là, on trouve que vous prenez trop de temps sur le téléphone. Ouais, je sais pas si vous m'arrêtez ça? Des commérages, là, je veux dire, là, on commence à couper du temps là-dessus, nous autres. Commencez à couper du temps là-dessus. Bon, ben, monsieur, moi, je vais prendre d'autres actions, là, dans le moment, là. Ouais, quelle sorte d'action vous pouvez prendre, madame? Je veux savoir qu'est-ce que je parle au téléphone qui fait pas votre affaire. Mais oui, mais qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Ben, que ça, je me plains, je veux pas appeler personne. C'est vous, vous avez le téléphone de Mme Poulin qui a dit qu'elle change mon numéro de téléphone. Elle vous a donné votre nouveau numéro? Bon, elle va me donner à peu près 50. Ah ouais, le dernier, c'est 839-7690. Ben, c'est même pas ce qu'elle m'a donné. Testing, le gars dans le poteau. Bon, checking. 236-7496. Je vous ai donné le mauvais numéro qui va être changé tout à l'heure. C'est pas ce numéro que vous m'avez donné. Ah, ben, c'est le nouveau numéro qui vient de me dire. Je suis dans le poteau, moi, au coin, là. Allô? 236-7496. 4-9-6. C'est Mme Poulin. Vous aviez demandé deux lignes, vous, là? Moi, je ne vais pas demander rien pantoute. Mais ils sont mélangés en bas aux belles. Qu'est-ce qu'ils ont, là? Ah, vous me le direz, qu'est-ce qu'il y a, parce que moi, je ne vais pas demander de lignes pantoute. Oui? Je voulais juste vous dire que vous étiez aux insolences d'un téléphone. Faites-vous en pas avec les poteaux. Ah, bon, ben, c'est parfait. OK. OK. Écoutez-vous ça, des fois, les insolences? Ah, ben, moi, je les écoute pas, mais mon père les écoute beaucoup. Ben, votre père va vous en parler. Ah, le chocolat. Ça doit être lui qui avait écrit pour faire pogner. Ouais, ben c'est probablement, c'est pas moi qui voulais pogner. Il voulait peut-être pogner mon mari. Ah, ça se peut. Ouais. En tout cas, vous avez bien marché. OK. Vous voulez faire prendre quelqu'un aux insolences?